Salut à toutes et à tous, ici Galion, on se retrouve aujourd'hui, bah, je me mets bien pour l'épisode numéro 3 de Jak 3, et aujourd'hui nous allons faire la fameuse mission de collecter tous les objets perdus dans le désert des terres pelées. Donc à chaque fois on a du temps, il faut aller à chaque fois chercher l'artefact, on a du temps, et si ça arrive à zéro, hop là salut, oh l'enfoiré, si ça arrive à zéro c'est perdu, donc voilà, l'IA est fait pour nous faire chier, c'est aussi simple que ça. Et on va se faire poursuivre par plein de maraudeurs. C'est la joie. Ah oui, on peut changer de vue de conduite aussi. C'est vrai que j'avais totalement zappé cette chose-là. Donc en gros, il faut collecter tous les objets. Il y aura certains endroits, ce sera la merde. Et surtout, voilà. Genre la carte qui baille totalement. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Et au bout d'un moment, on n'y verra tellement rien. À cause de la tempête. Je vais éviter de les prendre de face parce qu'ils sont super chiants après. Donc ouais, avec la tempête on y verra quasiment plus rien à la fin, ce sera horrible. Donc en fait cette mission elle sera en deux parties, c'est genre on va trouver plein d'artefacts, après on va s'arrêter pour un truc, parce qu'il va se passer un événement. Merde, il va se passer un événement et après on repartira en fait. Mais je ne vais pas, j'allais spoil mais je vais pas spoil en fait. Mais vous verrez bien. Mais c'est vrai que cet événement il arrive assez tôt d'ailleurs, j'avais totalement zappé, attention il y en a là. Heureusement que la carte est là quand même, parce que du coup ça nous permet d'éviter de contourner les ennemis, parce que si on les prenait de face sans les voir à chaque fois, ça aurait été chiant. Encore faut-il regarder la carte. Enfin moi je la regarde, donc c'est... Ouais, ça a du bon de parler avec Dora quand tu regardes la télé, hein, avec la carte. Au moins tu te familiarises avec et tout, ça n'a aucun rapport mais c'est pas grave. Casse-toi. En fait le but, quand il commence à vous pousser, c'est que vous lâchez votre accélérateur et vous le poussez. Et genre, il va partir de sa trajectoire et vous allez pouvoir reprendre la vôtre. C'est un petit trick que moi, j'ai toujours fait. Qui aide bien d'ailleurs, qui aide bien. Si vous voulez le faire, bah, vous verrez que ça marche bien. Ça évite de les prendre de face. Et ou alors de vous faire complètement détourner votre trajectoire comme une merde. Genre là, il va me faire chier. Lui. Voilà. C'est pour ça, parfois, faut s'arrêter, ralentir et repartir. Parce que bah, sinon, ils vont vous bloquer la route. Bon ça va, c'est pas comme dans GTA ou autre où ils sortent et vous tabassent la gueule, c'est juste ils restent dans leur voiture mais ils peuvent vous bloquer et du coup vous perdez du temps. Puis voilà quoi. Donc là vous voyez très bien qu'en fait on voit de moins en moins clairement. Mais c'est normal hein, c'est le RP ouais. Olé ! Ah par contre on va faire demi-tour là. Hop. C'est tellement stylé, mais le buggy en fait c'est à la fois... Un véhicule de merde et un véhicule assez drôle. Mais c'est vrai que c'est marrant. Ouah non, c'est peut-être pas ici, c'est vers les 25% à l'événement dont je parlais, c'est pas ici encore. Là, ça sera juste retourné à Asparagus. J'ai dit une grosse connerie. Ce sera vers les 25% à l'événement dont je parlais, d'ailleurs je ne vais pas spoil. Putain, c'est réflexe. Vous verrez plus tard par vous-même. Donc là, on a terminé la mission, c'est cool. Au revoir. J'avais tellement galéré quand j'étais gamin là-dessus. Bien joué. C'était juste. Oh, alors ça vous intéresse? La musique. Ce sont les objets qui m'intéressent. Nous en ferons bon usage. L'armure que vous avez trouvée est très rare en fait. Pecker affirme que c'est celle que Mar portait lorsqu'il se battait pour défendre cette planète à l'époque. Vous en aurez besoin, croyez-moi, c'est certain. Hé hey, on a reçu une nouvelle pièce d'armure. Donc on a deux carreaux, enfin deux ronds de vie en plus. De ce fait, les missions pour le désert sont pour l'instant terminées, donc maintenant nous allons... Ouvre-toi, s'il te plaît. Attendez, je vais vous montrer les véhicules, pardon. Donc la puce des dunes, en fait... non, c'est pas la pute des dunes. C'est la puce des dunes. Donc en fait, ce véhicule vous permettra de sauter très haut. Enfin, en gros, il fait des sauts super hauts. Les crabouilleurs, c'est un véhicule très résistant. Avec une tourelle téléguidée. Enfin, une tourelle qui vise automatiquement les ennemis quand on tire. Le thermofouineur, je crois que c'est un vaisseau qui va hyper vite. Je suis pas sûr. Le démon de la poussière, il va extrêmement vite aussi. En fait, ces deux-là, c'est les plus rapides, mais qui tirent pas, je crois. Je suis plus très sûr, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Le prochain qu'on débloquera, ce sera celui-là. Il
le requin des sables. Donc il va relativement vite et il a des espèces de mini canons pour tirer. Donc c'est le meilleur, je trouve, celui-là. Alors, ça, c'est un truc téléguidé, enfin, c'est un truc assez résistant, le sprinter. Enfin, comme vous le voyez, c'est un gros tank, en fait, qui tire automatiquement sur les ennemis aussi, comme celui là-bas. Et pour terminer, le tapageur du désert, tapageur peut-être, je sais pas. Celui-là, c'est un rapide, comme le requin des sables, mais un peu plus rapide, je pense, avec des tourelles. Mais en fait, il y en a trois, logiquement. C'est-à-dire celui-là. Celui là-bas et celui là-bas, enfin les deux derniers là, normalement on les débloque avec les orbes dans les secrets. D'après mes souvenirs. Je ne suis pas sûr. Ah, vêtements de Cleaver. On va rien toucher ici. Non, on a accès à rien pour l'instant. Mais en tout cas, je vous le dis pour info, ces deux là, plus le dernier à droite là-bas là, ils seront débloquables via les secrets. Logiquement. C'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi au final, donc je sais pas trop ce que ça fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va aller voir le moine. Notre poteau le moine. Donc il nous donne de l'écho noir, logiquement. Mais ça sert à rien de les poursuivre. Hein. On est déjà full écho, donc ouais, ça sert à rien. Coucou. Vous êtes encore là? Ouais, on vous laisse balader. Bronzer un peu. Ce n'est pas un jeu. Je suis Sim. Nous, les moines, avons juré de garder les secrets des précurseurs. Ces lézardosaures nous permettent de nous rendre où tu ne peux aller. Oh, quel drôle de mélange! On a vu un troupeau de kangoura il n'y a pas longtemps. Oh, sale bête! Ils se sont assis et... Vous ne ferez pas long feu là-bas. Le cristal d'écho noir du satellite. Je le veux avant qu'il n'atterrisse entre de mauvaises mains. Battez mes moines et leurs lézardosaures à la course et vous aurez un cristal blanc. Sienne comme Taba. Allonge, allonge. Et où elle est la ligne de départ? À vos moines, prêts? Partez! Salut le moignon! Hop, donc on va devoir faire une course avec. Les lézardosaures contre les moines, tout simplement. Donc l'humour est toujours présent. Ah, à vous moines, voilà. C'est Daxter, quoi. Et en gros, on aura le droit à quelque chose si on finit premier à la course. C'est vrai que ça permet en fait de travailler les réflexes et de savoir comment se déplacer avec les lézardosaures rapidement, on va dire. C'est vrai que quand j'étais gamin, les missions, je galérais aussi. Mais maintenant, Osef totalement. En fait, il y a un gros bug de collision avec eux. En fait, c'est quand on s'approche trop d'eux, qu'on saute en même temps qu'eux, on se fait toucher. Du coup, on prend des dégâts de recul et on perd du temps en fait. Et ils nous rattrapent. Et ils nous dépassent. Et ça, c'est la grosse merde. Donc là, je suis en train de les tracer, c'est cool. Bon, vous voyez quand même, l'IA en fait de jeu est pas con, il adapte en fonction de votre niveau. Donc j'ai beau être rapide, en fait, ils me rattrapent toujours. C'est ça qui est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il va y avoir un changement de caméra, c'est assez spécial. Ça force à l'erreur, en fait. Hop. On est bientôt à la ligne d'arrivée, qu'on se le dise. Hop. La ligne d'arrivée ! La classe ! Ha ! Ça te calme, tête d'écaille ! Dégage, sale bête ! Bien, le héros. Le cristal est à toi. Associer les cristaux blancs et noirs génère de puissantes énergies. Fais très attention, et lorsque tu mourras, aie la gentillesse de me les rendre. J'en ai pas l'intention. Pourquoi ça t'obsède à ce point? Voilà pourquoi. L'étoile du jour approche, et elle brille de plus en plus. Le jugement dernier de cette planète est imminent. Donc comme vous pouvez le constater, Daxter a toujours une tête... Yeah. Comme ça. Donc, là, on va pouvoir... Enfin, on a gagné plutôt, pardon. On a gagné un cristal d'écho blanche qui va nous permettre plus tard, en fait, d'acquérir un pouvoir assez spécial. Non, c'est pas un cristal. Si, c'est un cristal d'écho blanche. Ouais, si. En fait, on va pas en voir l'utilité tout de suite. Mais plutôt après. Et par la suite, on va développer un pouvoir qui apparaît seulement dans celui-là, en fait. Quoique...
Je sais plus si ce pouvoir est aussi dans The Lost Frontier, même si on s'en fout un peu parce que c'est un jeu de merde, mais bon. Je sais pas. Enfin, c'est dommage parce que le jeu avait du potentiel, mais ils ont tout gâché. Ils ont complètement chié dans la colle et ils ont fait un jeu de merde en fait. Pourtant, le concept était bon. Enfin, parce qu'en plus, ça faisait un gros clin d'œil et ça revenait aux racines du premier, donc c'est dommage quoi. Mais le cristal d'écho blanche qu'on vient de recevoir aura une utilité plus tard en fait. Prêt pour un peu d'action, les petits gars? Il y a un groupe de Metalheads qui traverse le désert pas très loin d'ici. Je déteste les Metalheads, presque autant que je vous déteste vous. Et vous devez faire vos preuves. Interceptez ces crétins et montrez-leur. Qui sait, vous serez peut-être récompensé pour vos efforts. Pourquoi j'ai l'impression que t'as zappé tous les détails dangereux? Jack, crois-moi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un super instinct animal, tu sais. Relax, c'est juste quelques Metalheads. Tu as déjà vu un Metalhead déterpelé? Non, pourquoi? Pour rien, je demandais juste. À vous de jouer les héros. Bon, alors on a accès au requin de sable. Et comme vous pouvez le voir, les Metalheads avec l'icône à droite n'ont rien à voir avec les Metalheads d'Abriville. Et la première fois que je les ai vus de près, j'étais gamin, j'ai fait « Oh putain, c'est Diablo X9 !» Non mais vous allez voir, donc on peut tirer en fait, voilà. Tac 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 tac. Regardez. Vous allez voir. Attendez. La musique déjà est stylée pour la chasse aux Metalheads. Par contre, je sais pas s'ils viennent vers moi. Ah oui, voilà. Regardez-moi ça. Ils sont grands en plus et ils vont vite. Hein. Regardez. Holy crap. Donc en gros, va falloir les flinguer et récupérer leurs gemmes sur le crâne. Et ce qui est con, c'est qu'on n'a pas de barre de vie sur eux. C'est dommage. Mince. Oh. Putain, faut que je me refasse aux touches en fait. J'ai plus du tout l'habitude. Voilà, lui il va crever soon. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on va s'arrêter quand même, histoire de. Hein. Car c'est une belle pièce que nous avons là. Mais c'est assez grand. Hein. C'est stylé. Bon, d'ailleurs, la mâchoire est un peu. C'est vrai qu'ils sont stylés. Mais très dangereux en fait. Enfin, ils sont assez cons vu que c'est scripté. Ils ont une trajectoire bien définie. Mais si on se fait rentrer dedans, on perd de la vie en fait. Faut faire gaffe. Enfin bon. Et il paraît loin quand même. Hop. Allez, on va le poursuivre. Oh, genre ça, vous voyez, c'est... Oh, j'ai volé loin. Oh, ce bug, je l'avais jamais eu. J'ai jamais volé aussi loin, je vous le dis. Putain. Merde. Eh, sans déconner les gars, enfin, les filles, lol. J'ai jamais volé aussi loin. Putain. Jamais de ma vie. Ok, facile. Oh, oh. Oh putain, il s'est arrêté au bon moment, lui, il m'a fait peur. La mission est vraiment pas difficile, qu'on se le dise. Il y a juste à essayer de lui suivre au train et... Hop. Allez, viens là, mon copain. Mince. Je vais l'avoir avant, Je l'ai eu en même temps. Lol. C'est trop con. Ok, il en reste plus qu'un. Mince. Il est où? Ah, il est là. Putain, on commence à rien voir. Mais c'est vrai que les missions de Jack 3 sont vraiment géniales, je trouve. Aïe. Enfin, les missions de Jack et Dexter, de toute façon. Ah, voilà. Faut aller le voir, par contre. Qui se relève, le coquinou. C'est un coriace. Mais bon, elle crève. Voilà. Commandant, rapport! Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez perdu ce chargement et que vous n'êtes pas mort, c'est moi qui vais vous tuer. Rapportez-moi tous les cristaux d'écho noir que vous trouverez. Le temps presse.
Vous m'entendez? Irrigut, pas toi! Je déteste vraiment cette voix. Ah, tu lui as bien ramassé le clapet, hein? Oh oui, c'était bon! Tu connaissais ce visage. Là, tu deviens parano, petit gars. Allez, cocotte, on se casse! Désert me colle la chair de poule. Voilà. Donc, en fait, je sais pas si vous avez reconnu la voix. Enfin, le visage, ce sera difficile après ce qui s'est passé, mais... elle a l'air quand même bien amochée. Donc, quand on les tue, on obtient un boost. En fait, je sais pas si vous avez reconnu la voix, parce que le visage, ce sera un petit peu difficile. Mais le visage est familier. Enfin, je ne spoilerai pas. Si. Hop. YOLO. Putain. Je me suis mangé le mur, c'était majestueux. donc, la voix nous est familière, puis je pense que vous aussi, hein. C'est vrai qu'elle ressemble à quelqu'un qu'on a connu. Mais je vais rien dire. Donc là, je sais pas si on va partir dans l'arène ou voir Damas. On va bien voir. Mais je sais pas du tout. Je sens plus. Tiens, mange. Attendez, il y a un défi. Ah, attendez, il y a des orbes ici aussi. Sur cette espèce de truc. Hop. C'est ça que j'y ai pas pensé dans l'épisode précédent. Avec quelques orbes en plus. Donc là, il y aura un pouvoir ici. Je dis rien, mais il y aura un pouvoir. Voilà. Moi, je voulais aller au défi. Le reste, je m'en fous. Il est où? Là. Non. Et voilà. Il est ici. Voilà. Atteins vite cet endroit et prouve-moi que l'on peut te confier le destin du monde. Ok, je vois où c'est. À force de les avoir fait. Hop. Très bien. Tu es notre lueur d'espoir pour l'avenir. Ok, il y en avait un autre là, ouais, je l'avais vu. Qui est à côté du palais. Ouais, c'est ça. On va le faire. Alors celui-là, je crois qu'il est un peu plus compliqué quand même. Les héros doivent être rapides. Atteins vite cet endroit pour une récompense. Ouais. Je vois, je crois, où il est. Donc normalement il y a le truc qu'on a cassé tout à l'heure. Alors, ouais, c'est juste là. En fait, fallait se repérer par rapport à ça. Excellent. Ce qui est là-bas. Comme ça au moins on voyait à peu près où c'était. Le prometteur. Bon, au moins cette mission est faite aussi. Maintenant on va pouvoir repartir tranquillou. Alors, c'est dans le palais ou pas? Ouais. Nya, nya, nya. Vrai attardé quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Ouais, il y a un autre défi. Bon, on va faire celui-là, tiens. Tant qu'on est là. Pardon. Mais... tiens, tiens. Tata. Donc j'espère vraiment que l'aventure vous plaît. Moi, je m'éclate. Franchement, ça fait plaisir de se retrouver sur le jeu. Et puis en plus, je suis content de voir que j'ai pas perdu mes réflexes. Enfin, au début, j'étais un peu perdu... enfin, je me souvenais plus trop de comment faire quoi, mais avec le temps, c'est revenu tout seul. Donc c'est cool. Mais l'histoire est vraiment géniale. Hein. Trouve cet endroit rapidement ou affronte la douleur de l'échec. Ok, mince, il est où mon lézardosaur? C'est par là. Un nouveau succès. Nous sommes fiers de t'avoir choisi. Je sais, je sais. On a toujours pas de truc déverrouillé ou quoi? Parce qu'en fait, c'est par rapport à vos orbes et l'avancement de l'histoire. Donc forcément... non. Dommage. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a déjà chopé toutes les armes qu'il y a dans ce Spargus, en fait. Enfin, à part les défis qui apparaîtront plus tard, mais... je veux dire, on a déjà tout fait dans l'avancement du jeu, en fait. Bon, dans le désert, j'ai pas tout fouillé encore, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus tout de suite, maintenant. Il y a l'histoire à faire, quand même. Faut pas déconner. Mais sinon, ouais, a fait quand même tout ça. Hein. Bon, faut descendre par contre. Au revoir. La bonne vieille technique. Bon, quelle je crois que c'est encore une mission d'arène, cette fois. Pour la deuxième allumette.
Amulette, pouf, allumette, lol. Une fois encore, tu dois tester tes aptitudes au combat dans l'arène. Affronte tes peurs, écrase tes adversaires, et on verra si tes compétences peuvent nous être utiles. La loi de l'arène sera notre seul guide. Excusez-moi, monsieur le roi du désert. Oui, j'ai une requête à formuler. On s'est entraîné très dur. J'ai les pieds en feu et je crois bien que j'ai un panari. Alors je vais faire l'impasse sur ce coup-là. Assez parlé, l'arène vous attend. Hop. Donc, une grosse nouveauté du jeu aussi. Parce que maintenant, on peut avoir 3 améliorations, mais on en a 2 là. Donc ça, en gros, plus vous chargez, bon, ça bouffe 5 munitions par 5, je crois. Et en fait, ça ferait une onde de choc. Plus vous chargez, plus elle est grosse. Comme vos bits. Exactement. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais en gros, ouais, on aura une amélioration sur chaque arme à chaque fois. Plus encore une après, au fil de l'avancement du jeu. Voilà. Mais moi, je suis un mec qui adore le blaster. Blaster, c'est la vie. Bon, maintenant il va falloir aller dans l'arène. C'est vrai que j'aurais pu prendre le lézard d'ozor, c'était débile d'y aller à pied. Mais c'est marrant de se déplacer comme ça. Regardez. Hop, en plein air. C'est pas BG ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, si. On va faire le combat et puis après je vous laisserai. On a 2 minutes pour le faire, lol. Tac. YOLO. Allez. À l'ancienne. Voilà, facile. Ok, on va tester l'arme. Mince. Voilà, maintenant vous voyez à quoi ça ressemble. On va le remontrer. YOLO. C'est Chouachoua du or. Puis en plus, regardez, il fait des gestes et tout, c'est trop stylé. Ils sont en train de se mettre sur la gueule, je crois. Moi aussi, je veux jouer. Non, je déconne. En fait, ils vont tous crever. Ouais, ils meurent, en fait. On a juste à attendre. Non, en fait, on va tous leur casser la gueule. Regardez. Oups, oula. Allez, on se transforme en Darjack. Attention. Boum. Donc la première attaque. Par contre, faut que je récupère de l'écho du coup. Merci. Mais il en reste que 2. Ouais, ils se tuent entre eux aussi. T'as fait quoi là? D'accord. Tu m'énerves. On va se détransformer quand même. Bon, un autre truc nouveau en fait que j'ai même pas dit, c'est que maintenant Darjack on peut se transformer quand on veut tant qu'on a de l'écho noir. Avant fallait être à fond au niveau de l'écho noir. Et maintenant c'est même si on a plus beaucoup d'écho noir, on peut quand même se transformer en Darjack, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça c'est quelque chose de cool parce que c'est vrai que c'était super chiant. J'arrive pas à croire que vous êtes encore là. Ouais, quelle surprise. Damus et moi sommes très impressionnés. Hé, hey, le singe à plumes, qui t'a déclaré roi? C'est lui. Enfin, presque. Une sorte de demi-roi. Tu vois, vous devriez voir nos chambres et ce harem de super poules. Oh, mes nuits sont très agitées en ce moment. C'est cool d'être roi, non? Y'a rien de royal dans ta grosse tête à plumes. Tu veux du royal? Tu te crois où? Ne m'oblige pas à descendre de mon perchoir. J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Viens ici. Ça suffit, je vais me le faire. Amène-toi, servait d'oiseau. Assez. Si je voulais vous voir combattre, je vous l'aurais demandé. T'as été incroyable, Jack. Je suis très fier de notre excellent programme d'entraînement. Voici ta deuxième amulette de combattant et un nouveau gun mode. Encore une victoire dans l'arène et tu seras un vrai renégat. Donc il ne manque juste une victoire et puis après on sera un citoyen de Spargus. Donc maintenant on a la deuxième amélioration du blaster. En fait c'est la même que le blaster de base sauf que ça ricoche partout.
Et en gros, vous ferez ça. Attendez. Et bon, en gros, ça ricochera entre les ennemis, puis vous tuerez tout le monde. C'est ça qui est cassé, en fait. Donc, voilà. Donc, vous voyez, plus on avance dans l'aventure, en fait, plus nous avons des pouvoirs complètement craqués et des améliorations complètement craquées. Mais, néanmoins, on va avoir un niveau de jeu aussi très difficile. Et j'ai un skill inexistant, c'est magnifique. Je me suis totalement chié dessus. C'était beau. Et du coup, on va se laisser ici. Voilà, ce sera tout pour cet épisode numéro 3 de Jack 3. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Aïe, salut.